Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de renforcement musculaire. Aujourd'hui, abdos fessiers sur le tapis. C'est parti pour l'échauffement. On se place à genoux, en tailleur ou à genoux. Ici, on inspire, on s'étire, on relâche. Encore, inspire. Là-haut, 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 on relâche. Encore, inspire. Allez, vous allongez bien le dos. Dernière fois, on inspire. On rentre bien le ventre. Ici, j'attrape devant. Hop. Allez, je monte et loin derrière. Je relâche. Encore. Je pousse. J'étire. Loin derrière. Dernière fois. Allez, je retourne les mains. Hop. Et je reste. Allez, poussez bien avec la main. Vers le plafond, on change, on étire la taille, on s'étire, on se réveille, hop, musculairement je reviens, j'enroule les épaules en arrière, encore, allez, dès maintenant vous rentrez bien le ventre, on change de sens, et encore. Allez, ne lâchez pas le dos. On se tient bien droit. Allez, deux. Relâche. Allez, serrez le nombril. 8 encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et je relâche. Ici, je croise une jambe par-dessus l'autre. Allez. On attrape son genou et on amène le genou vers la poitrine. On étire toute cette partie. Allez, encore. Cette fois-ci, je garde le genou dans la main. Je vais juste me tourner ici. Allez, tirez sur la tête. Allez, ouverture de buste. Ok, je reviens, je change. Hop, je décroise. Je recroise, j'amène bien haut. Et je décale mon buste. Cette fois-ci, on est en ouverture. Hein. On ne va pas vers la jambe de devant. Non, au contraire, on étire la taille. On respire. Je reviens, je reste. Encore, là-haut, 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 là-haut. On relâche, on inspire une fois. Et on souffle. Premier exercice, on va s'allonger sur le dos. Arrondissez bien le dos. Hop, on serre son nombril. On va mettre les deux jambes verticales. Hop, à 90 degrés par rapport au bassin, les mains derrière la tête. En même temps, je vais ramener buste et jambes. Et je repose ma tête et je reviens vertical. On ne revient pas vers le bas, mais on contrôle ici. On va travailler l'ensemble des abdominaux. Vous serrez bien le ventre. On est parti. Allez, ici. Je contracte, j'inspire et je souffle. Allez, 20 à chaque fois. 2. 3, 4, allez, vous regardez bien vers le haut et on contracte à chaque fois. Hop. Soufflez bien. Alors, l'idéal, c'est de garder les jambes tendues, ne pliez pas les jambes. Allez, serre, 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 serre. Serre. Allez, 4. 3. 2. 1. On
relâche, vous soufflez, on va faire une deuxième série. Si ce mouvement est difficile, vous pouvez juste mettre une jambe à la verticale et ramener. Donc vous en faites 10 à droite et 10 à gauche. Si ça va, on revient. Et on ne va surtout pas trop vite pour bien garder l'équilibre. Hein. Voilà. Si on a tendance à aller vite, on a tendance à se déséquilibrer. Donc là, on contrôle. On a le temps. Deuxième série, on inspire. On contracte le ventre. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, souffle en haut, 10, 11, 12, allez, serrez bien chaque fois, serre. Allez, 5, 4, 3, on lâche pas, 2, on repose, 1, et on relâche. Très bien, on va mettre les mains sous le bassin, hop, en forme de triangle, dans le creux, les jambes légèrement fléchies, je fais une poussée et je repose. Allez, on travaille plus le bas du ventre. Et 1, 2. Surtout, surtout, gardez les épaules libres. Et ce n'est pas parce qu'on monte haut qu'on travaille mieux. Vous contrôlez la descente en bien contractant bien le muscle. Et souffle haut. Allez. Encore. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, retenez la descente, 2, 1, on relâche les jambes, on souffle, deuxième série, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore, 7, 8, 9, je contrôle la musique, désolé pour les pubs, et pour 10, allez on retient, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, on passe sur le côté, on vient s'asseoir. Allez ici. On ouvre ses jambes. Vous pouvez faire cet exercice contre le mur. Si vous avez besoin pour garder le dos bien droit, appuyez-vous contre le mur. S'il n'y a pas de souci, restez comme moi. Vous allez mettre les jambes ouvertes tendues. Les pieds flex, on va mettre les mains ici. Simplement, contraction isométrique des fessiers, ça veut dire quoi? C'est nous qui allons contrôler la contraction. Je serre mes fessiers et je relâche. Donc vous allez voir, je vais monter un petit peu. Je relâche. Contraction et je relâche. Si c'est difficile, vous pouvez refermer parce que les abducteurs vont travailler également. On met les mains soit ici, soit ici. Soit ici. Et on va rester à chaque fois 5 secondes dans la contraction. Reste 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Encore. Et 5, 4, 3, 2, 1. 1, et lâchez pas le ventre, relâche, 5, 4, on fait 10 fois, on est au 6, 2, relâche, et 5, 4, 3, 2, tirez sur la tête, hop, relâche, et 5, 4,
3, 2, 1, relâche. Allez, serrez à fond. On travaille sous le fessier. Dernière fois. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et toute petite. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Je referme doucement mes jambes. On vient ici à quatre pattes. On continue avec les fessiers. Je me mets sur les coudes. J'allonge juste une jambe ici. Pointe de pied vers le bas. Je ramène ici sous le ventre. Et j'allonge. De nouveau. Attention, je ne tombe pas sur ma hanche. Non, non, je répartis bien le poids du corps. Je serre mon ventre. Contraction. Et 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on change de jambe, on contracte bien, on serre le ventre. Et 1, 2, 3, le regard aux mains. Souffle. Deuxième série. Allez, on allonge la jambe. Contraction. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, serrez bien la fesse à chaque fois. 5, 4, 3, 2, 1. On enchaîne et soufflons. Ramenez de buste les jambes. Alors je vous redis, hein, vous pouvez très bien faire juste travailler une jambe. C'est un mouvement qu'on a vu déjà dans une précédente vidéo. Sinon, mets les deux. Allez, courage. On se place bien les lombaires, bien au sol. Inspire et 1. Serre.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Petite pause. Attention quand vous ramenez les jambes à la verticale, attention à ne pas creuser au niveau du dos. Hein. Contrôlez, cet exercice est contrôlé. Très contrôlé. Dernière fois. Gardez les jambes tendues. Inspire, contracte. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9. On met les mains sous le bassin. Jambes tendues, légèrement fléchies. On décolle le bassin vers le plafond. On fait une poussée. Pas forcément très haut, mais très contrôlée. On détend les épaules. On contracte le ventre. Et hop. Soufflons. Voilà, reposez délicatement le bassin. Détendez vos jambes. Soufflez, soufflez, soufflez. Dernière série. On replace. Inspire. Et hop. Hop. Allez, ensemble. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On passe sur le côté, on vient s'asseoir. Jambes ouvertes. Pieds flex contre le mur. Ou comme moi, vous tirez bien sur la tête, on lâche pas ici, contraction isométrique. Et 5, 4, 3, 2, 1, relâche. Et 5, 4, 3, 2, 1, 5, allez serre les fessiers. Et 5, 4, 3, 2, 1, et 5. 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on serre, relâche, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2 et toute petite, serre, 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 hop, encore, hop, 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche, bien, allez on enchaîne, on place bien. On descend, on allonge, pointe de pied vers le bas, ventre serré et souffle. 2, 3,
4. Vous serrez la fesse à chaque fois. Souffle. Souffle. Je ramène le genou, je contracte et serre. Soulager. Dernière fois. Inspire. Et un, souffle. Allez. Les beaux mouvements de jambes. Sans oublier une belle contraction abdominale. Et. Allez. Souffle.
6, 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche. On détend les jambes, on referme doucement. Allez, soufflez. Ici, on passe à genoux. On s'étire un petit peu le bas du dos. Restez bien les fessiers sur les talons. Relâchez le ventre, relâchez la respiration. Allez, ça c'est du bon travail. Allez, on reste. On déroule son dos. Et on vient s'asseoir. Allez, vous allez allonger les jambes devant, les fermer. On va descendre ici. On va attraper ses chevilles. Alors attention, garde les jambes tendues. Si elles se soulèvent, on va moins loin avec le buste. Ok ? On essaye de garder le dos droit. On ne va pas arrondir le dos, non. On reste droit. On recule bien ses ischios. Et si on peut, on attrape les orteils. Allez, vous allez où vous pouvez en gardant le dos droit, les jambes tendues, et on reste dans cette position. On respire tranquillement. Allez, on étire le bas du dos, le dos, l'arrière des jambes, les fessiers. Je rappelle, si on ne peut pas, on attrape les tibias. On ne force pas, et surtout jamais d'à-coups, hein. jamais. Là, on a très bien travaillé. On étire en douceur. On relâche. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me donner des nouvelles. Allez, on étire. On repart. La même position, le même mouvement. On étire la tête du coccyx. Hop. Allez. Chacun sa souplesse et vous respirez tranquillement. Encore. On déroule. On respire. Et on refait une dernière fois ce mouvement. On descend tout doucement, on amène le buste. Allez, on reste. Une séance d'abdos-fessiers comme celle-ci peut se faire plusieurs fois par semaine. Au moins deux fois pour avoir un bon résultat, espacé de quelques jours. Voilà. Mais par la répétition, on arrive à avoir du résultat. Il faut être motivé. Il faut s'encourager. Allez, on s'encourage. On se dit, allez, dans quelques jours, je refais cette séance. Peut-être combinée avec un haut du corps. Hein. C'est toujours complémentaire. Ou sinon, une petite marche, une promenade, des étirements. Voilà, vous avez du choix sur la chaîne. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite bonne continuation. À bientôt.